sempre amabile, leggiadro vito, il pian per riso è menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta l'accento ed il pensier. Ed il pensier. Oh, regarde-moi cette belle grappe là. Ah, voilà. C'est buonissimo questo. Voilà. Donc là, on est devant un des deux cépages du balsamique traditionnel de Modène. C'est le Lambrusco, donc qui est un cépage rouge. L'autre cépage phare du balsamique, c'est le Trebbiano, c'est le cépage blanc. Il y a le 70% en gros de Trebbiano et 30% de Lambrusco pour faire les balsamiques et Leonardi. Il Lambrusco è un grappolo interessante. Donc là, c'est vrai qu'on a une grappe buona, bien fournie, acido, pieno, avec des beaux grains et qui a une très très belle acidité, une grosse teneur en sucre. Et c'est vraiment le produit magnifique pour faire le meilleur balsamique traditionnel de Modène. Et dans 20 ans, ce sera un balsamique très délicat avec un parfum exceptionnel. C'est bon. Ouais, très bon. Merveilleux. Un aceto balsamico futur si produce. Donc ça va être une gamme qui va faire un balsamique exceptionnel dans 20 ans. Et c'est pas un balsamique qui est fait en 24 heures par les industriels. Ouais. Hein, c'est clair. Là, on est chez un vrai artisan. On est chez quelqu'un d'exceptionnel, toute une famille de 5 générations. La traditionnelle filiera di produzione dell'aceto tradizionale. Quindi qui si parte dalla vendemmia. La maison Leonardi, elle fait tout de A à Z. Quindi adesso cosa stiamo facendo? Cominciamo con la pigiatura? Adesso cominciamo a caricare la pigiatrice. Quest'uva che è nella carretta finisce dentro alla pigiatrice. Il raisin che è là passa attraverso la pompe, rentre dans le pressoir e a ce moment-là il y a une séparation entre les grappes et le mou de raisin. Donc après il va dans les gros fûts pour le refroidir. Salute. Grazie. Donc là, on va déguster le mou de raisin qui sort juste de la machine. Naturale, prodotto naturale, come viene dalla vite. Buono. Ah, super. Donc ça, c'est le mou de raisin cuit. Oui, sono cotto 36 ore à température de 80 gradi. Ah, donc 36 heures à une température de 80 degrés. Lo vediamo bello, bruno, intenso. Une couleur brun avec une très belle onctuosité. Vraiment dolce, amabile. Ah. Oui, on dirait même un bonbon. On dirait un bonbon. Vediamo. Questa è la prima fase di trasformazione del mosto d'uva. Donc ça c'est la première transformation du mou de raisin. Si. Et après il va se transformer au bout de X années en vinaigre balsamique de Modène. Donc là on rentre dans la salle du 30 ans. Où là on a donc les batteries de fût. Bon, ton papa va nous faire goûter donc le 30 ans. Con riflessi dorati. Avec un reflet doré. Molto brillante. Et comme si fosse, nonostante sia nero, riflette comme un diamante. Ça, c'est la qualité du balsamique. Quand on arrive à une excellence d'un produit, on doit pouvoir refléter son visage dans le fût. Alors, je goûte. C'est exceptionnel. È agrodolce, al palato. Le parfum? C'est bon. Agrodolce, equilibrato. Agrodoux, très équilibré. Con profumi, sapori di mosto cotto, ricorda la prugna. Avec un parfum du mou de raisin ciliegia. On voit les essences de bois différentes qui ressortent, si. Avec un parfum de cerise. Ha un buon gusto, quindi, di vaniglia.
Et avec un goût de vanille. Qui dérive dans les bottes du Rovere. Qu'on retrouve dans les fûts de Rouvre. C'est bon. Acidità buona, bel colore. Da qui c'è il confezionamento. Ah, d'accordo. Dove viene fatto la cera lacca, legatura delle bottiglie. Questa è mia madre e lei l'ha detta. Bonjour, enchanté, Pascal. Stai con seduto, continua. Donc là, c'est là que tu fais la finition. Legatura, okay. Dopodiché, tutto vedi una cosa manuale. Donc là, tout est fait à la main. Sì. Tout est manuel, tu mets le bouchon et puis la cire. Et puis viene posto il timbro che è il sigillo di garanzia della casa Leonardi. Ah oui, le L de Leonardi. Ok. Radicchio rosso trevisano. Un po' amarognolo, così contrasta con l'aceto. Donc quelques gouttes de 15 ans sur ton plat qui a l'air magnifique et qui donne envie de le manger. Hein. Donc en résumé, on peut dire que le vinaigre balsamique n'a pas de frontières en cuisine. On peut le travailler aussi bien sur un premier plat, entrée, sur un plat, sur un dessert. Exact. Et qu'il y a toujours sa place. Exacto, en fonction voilà, des années, on peut le travailler différemment. Et que ça, c'est quelque chose qu'il faut dire aux chefs en France. Parce qu'en France, ils ne savent que l'utiliser sur un plat. Non, assolutamente, voilà. Troppo. Donc là c'est vraiment la démonstration qu'on peut le travailler partout, le balsamique. Certo, voilà. Certo, ancora voilà. Di più. Et encore plus. Balsamique a più di 100 anni.